C'est justement pour me lancer un ping gars, mon mise en garde, by contre tout le monde qui a envie de pouvoir dans le pays, pour me dire que ce n'est pas les élections qui prennent le pouvoir. Si ce n'est pas la force qui est capable de prendre le pouvoir, eh bien, PESAP, qui est la brigade de surveillance des airs protégée, ensemble avec l'armée d'Haïti, n'a pas mis au dehors et brutalement. Nous regardons dimanche là, ça passe à nous pas de temps qu'on aime. Et désormais, une tentative qu'on s'est fait encore, quel que soit le secteur qui t'a visé by président coup d'État, n'a pas marché pour un secteur ça. Et laisse ça, à pile le monde qui impose le pays à marcher, n'a pas tout passé pour un autre parce que le pays n'a pas qu'à vivre dans deux autres tout le temps. Donc, deuxième point d'âme à parler de lui-même, c'est concerné DGPNH là, M. Léon Charles. Dernièrement, elle a été communiquée, elle a demandé pour moi de sa priorité dans l'air protégé. Et moi-même, je suis venu encore déjà, je dis pour me dire ça encore, tout me dit jusqu'à nouvel ordre. Eh bien, qu'on a plus que pouvoir nous menacer, nous demandons déjà pour lever, communiquer ça pour nous rapide, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas décidé de rester dans l'air protégé seulement. Il faut que nous allons arriver à tous côtés pour nous suivre dans le café coup d'État, non seulement nous là, pour nous suivre l'environnement air protégé, etc. Mais tout, nous ne sommes pas d'accord pour nous bailler coup d'État parce que nous ne sommes pas tourner dans la relance encore. Le président Jovenel, pas pour contre lui, c'est ça même, l'armée d'Haïti qui démobilise pour qu'on ait avec le membre de sa vie, vous dans la presse aujourd'hui, pour nous dire, et les gens qui ont fait coup d'État, faites attention, le président Jovenel, pas pour contre lui, ensemble, nous-mêmes militaires, non seulement avec lui, nous-mêmes membres de sa vie, non seulement avec lui, et la majorité des pays qui ont un seul coup de clé, ils n'ont pas négocié 5 ans, même un jour même. C'est un pour moi qu'on est là pour gagner des policiers mal intentionnés qui pensent qu'ils peuvent faire coup d'état dans le pays pendant que l'armée d'Haïti là, mais là, je regrette ça pour eux. Ça, je vais retirer ça à l'intention de quelqu'un. Qui est-ce que ça a été retiré ça dans la tête? Je vais tout profiter, féliciter la police à tout en grande majorité. Ce sont des petits points qui ne peuvent pas faire coup d'état. Ce n'est pas ton paquet. Mais je vais profiter de dire la police à compliment parce que ces derniers jours, je vais faire travail. Je vais profiter de dire directeur général là, Léon Charles, compliment comme militaire, nous fiers de vous-même. Parce que nous avons fait travail, continuer à faire travail, on est avec vous. Et troisième bagage, nous voulons dire encore concerné DGPNH, M. Léon Charles. Moi-même, je suis commandant Jean-Baptiste Joseph, je suis commandant du département et centre au niveau de BESAP. Je suis assisté de commandant moi et commandant Jean-Pierre Fritzner. Sinon, elle n'est pas un militaire là, c'est parce qu'elle a un problème pile de frontière accident qui fait qu'elle n'est pas un militaire. Donc, nous avons demandé que des GIA soient capables de retirer les policiers qui ont l'air protégé pour nous péligre. C'est moi, commandant péligre, assisté le commandant Jean-Pierre Fritzler. Donc nous n'avons pas près de 700 membres SAP qui ont géré et puis ont fini pour nous l'air protéger pour ces policiers qui ont la sécurité. Je ne comprends pas. Sans lui-même, c'est simplement un manque de dégâts. Donc nous n'avons pas accepté ça. Nous ne voulons pas agir par la force parce que nous n'avons pas de problème avec la police n'a pas de problème ensemble avec nous. Mais nous avons demandé des GIA à temps pour passer instruction par DG Centre là, DG PNH Centre là, et comme dans sagesse, pour être capable de lever Idmoyo qui n'a pas protégé Pélique là pour nous, parce que c'est inacceptable pour nous-mêmes, c'est seulement que nous avons acheté dans le local, pour finir vraiment être protégé, qui sont des stratégiques, et pour finir dans la police. Là, il est inacceptable. L'autre bagaille pour nous, t'as dit encore, et grand quartier général là, depuis longtemps, nous avons demandé pour nous mettre l'état-major à terre. Service de renseignement, bon moins que la plupart des gens dans l'état major, c'est travail au retrait chaque jour. Donc, planification à droite à gauche, tentative de coup d'état à droite à gauche. Cependant, jour nous fâchés, moi même si tout comme le matin, jour nous qui t'aime pour nous fusionner encore, même en 2004, ça l'a terrible. Et nous avons une situation de près pendant ces derniers jours. Jamais si on coupe le terrain libre là, il n'est pas libre comme ça. Donc, c'est ça que même que j'ai besoin de dire. Vous me dites que nous, avec le président Jovenel, 100% tête calée, 5 ans, ou encore pour le moment que un jour, on reste un jour en plus. Et, fini de politique de lever bonnet, qui n'a pas fait deuxième tête calée encore. Tout en se dormi, demain matin, quelqu'un dit vous semblez à président, vous semblez à sénateur, et puis vous jouez 2-3 signatures dans la loi scélérat, ça qui est passé dans le Parlement, et puis vous jouez 15-20-25 signatures capables de faire un parti politique, et bien nous faisons carré dans Tintinade. C'est un problème, ou pas qu'à résoudre un problème avec un problème guerrier. C'est solution qui résout le problème. Et si M. Ivikel da Brésil, t'es arrivé vraiment, yo exécuté quoi, yo arrivé dans le palais, yo installé le béton en tapis chaud,
Parce que plus fort moun nan opposition, yo convergé moins Fami Lavalas, pour me citer propre parole Moïse Jean-Charles, yo convergé vers madame Kok. Est-ce que vous comprenez là? Donc en dehors on va les trans, les timoun gen trans. Vous comprenez ça les trans là? Les timoun pas qu'attendre manger cuit. Les timoun vicieux. Les timoun manger tout faire passer bon chaudière pour prendre sous paille banane al cacher en bajade pour manger. Donc nous venons au moment faut que nous ressaisissons comme moun. D'accord. Et sous dossier, et, en tout cas, audience ça qui était faite là, donc nous disons que faut que nous tenions compte de accusé réception. Hein, donc là, on a parlé de lettre révocation qui a le jeune greffier. Et puis, nous disons que c'est doyen qui ordinairement recevoir correspondance. Donc, s'il était au courant greffier, il te mettait leur disponibilité. Donc, il n'a pas accepté le siège là. Donc, ça a relé au fond guerrier. Oui. Yo est au fond et puis yo est au détail tout. Nous-mêmes nous parlons pour notre détail. Les qui viennent joindre nous mais nous, les qui viennent joindre nous mais nous fait qu'on a évoqué greffier le 9 et puis greffier siégé le 10. C'est ça l'être ça qui mettre Anel Rémy et puis n'a pas dit avocat qu'on pas prendre tout en même temps. Oui, mettre Anel Rémy à particulier par précision pour nous parce que c'est un avocat mettre juge Ifikel d'Abrézi. Forme d'un jeune avocat très brillant, mettre Anel Rémy. Chamet bonjour. Bonjour, bon. Bonjour, guerrier. Volume récepteur, là, maître Rémy. D'accord. Tendez-nous dans le téléphone, non seulement. Ok, super. D'accord. Bonjour, bon. Bonjour, guerrier. Bonjour, Pierre-Renel. Bonjour, tout auditeur du Caraïbes. Donc, son plaisir, j'aime bien, Renel Rémy, moi, c'est avocat à Port-au-Prince. Et c'est un avocat, juge Ifikel d'Abrézi, avec tout 17 blocs mondiaux. Alors, et pour me dire bien, fon quand ça passait avec un pile importance. Et dans le cas de situation comme ça, nous qui j'ai commencé à inquiéter nous parce que c'est toute justice qui ont un problème grave. Et tout le monde a commencé bien hier. Tout le monde a commencé bien. Même le commissaire gouvernement, pas de prise, débrouillé par absence. Et nous connaissons au regard de la loi, de l'article 28 du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire, le commissaire gouvernement pas venu, le juge, le doyen, a ce privilège, cette prérogative de désigner un juge qui sera aussi le représentant du ministère public ad hoc. Ce qui a été fait. Et bon, malheureusement, c'est un premier dossier, après que le doyen a devenu 10 minutes de suspense, le retourné, le greffier a pris la petite trompette. Le greffier a sauvé, premier greffier. Mais à aucun moment, à aucun moment, doyen pas au courant pour mon correspondant qui devient sorti dans le ministère de la Justice, qui devient greffier Christophe Espérance, qui est notre salué, un courage dynamique ici, un courage très fort, sérieux, qui devient prêter service parce que c'est vrai, une situation de liberté individuelle qui est en danger. C'est ça que c'est le à aucun moment, si le doyen, madame le doyen, avait. Ouais, savait que le greffier était l'objet d'une mise en disponibilité, madame Chambre, des possibilités que l'on a dégagé, jamais. C'est parce que le greffier était disparu, greffier sauvé, qui était handicapé, pour ce savoir comme ça, qui fait doyen être désigné. Donc, maintenant, le tout va être ministère de conclusion, avocat de la défense plaidée, madame le doyen a ordonné la libération de monsieur du juge Ifikel d'Abrézi et avec comme motif l'article 56 parce que monsieur Ifikel d'Abrézi est un juge à la Cour de cassation. Mais ce que nous-mêmes nous contestons contre parce que nous avons estimé, c'est une action collective, c'est une action intentée pour 18 mondes, pour pas qu'il y ait et pour qu'il y ait 17 mondes. Parce qu'il s'agit d'une question de liberté individuelle. Tout à fait. Nous ne pouvons pas chuter sur le fond, mais c'est sur la forme. Comment a été faite l'arrestation? Oui. Est-ce que l'arrestation a été faite au regard de la loi? Arrêter mon à 2h du matin, déjà, c'est prescrit par la Constitution. Depuis violation de liberté individuelle, ça fait Maxime Latinanzou, ABS Corpus, Ab Subsistien Doum. Que tu es ton corps pour le produire par devant le tribunal. Voilà l'objectif de l'action. Malheureusement, il doit y avoir un ordonnance là,
Donc, nous-mêmes, comme avocats, nous avons depuis hier, à Chica, pour concerter, pour attaquer, en nous mettant par devant, et que la Cour d'appel, par devant, les choses compétentes. Depuis ça, après, maintenant que le ministre de la Justice a donné un coup de presse pour dire que le parquet n'exécute pas. Alors, même oui, pourquoi ça mourit? Parce que le ministre n'est pas la loi. Le ministre est un agent du gouvernement qui applique la politique pénale du gouvernement. Ça fait tout, nul n'est au-dessus de la loi. Et puis, quel que soit le ministre, pas compensé par les deux choses, puisque quand le ministre veut, nous devons chuter à souligner parce que nous sommes des défenseurs de l'application de la loi. C'est ça qui est important. La loi dit, depuis ne pas d'accord avec décision, on peut ajouter appel contre la décision et ça demander. On peut être d'accord à décision, c'est ça? Oui, on ne peut pas d'accord à décision parce que. Parce que notre vœu, c'est tout le monde qui vous libérer. Bien sûr. Écoutez. J'étais là pour même cause. J'étais là pour même cause. Tout le monde a arrêté, même cause. D'ailleurs, on dit que le juge, il vit de la Brésil, c'est lui qui est le principal auteur dans l'attentat et c'est complot. Donc, pas nous, ça complot, on a suivi de l'État. C'est lui le principal auteur. Qui serait, selon le ministre, le principal auteur. Mais la loi dit, si on arrête auteur et complice, si auteur l'a dit, elle dit, on ne peut pas calaguer, et puis vous pouvez traiter. Et ça fait nous-mêmes, nous avons dit, c'est une discrimination, parce que nous, c'est nous tout. Nous pouvons même les ordonnances, une ordonnance déshumanisante. Et puis, l'éclair, maître Rémi, c'était un mandat collectif. Un mandat collectif, en libération collective. Bien sûr. C'est clair, il y a une discussion dans ça. On va plaquer au monde, et puis non. C'est tout le monde a arrêté, même là, même fait, même jour. Qui sont demandés? Qui ça, nous, l'avocat, défendre, ça nous demandé? Qui ça nous demandé dans le réquisitoire ministère public là? Non, alors, et juge qui était joué au ministère public là, donc qui ça a demandé lui-même? Il a demandé pour faire droit à deux mois, c'était procéder à l'élargissement de toutes les personnes généralement qui ont été arrêtées le 7 juillet. Ah oui. Mais l'éducation à l'air complice. Nous demandons l'élargissement. D'ailleurs, nous pas même demander plus redécisionnant. Nous demandons, et comme si libération, décision sur minute. Oui. Et si tous les éclinitifs là, tout aller en prison. Parce qu'en matière de liberté individuelle, on n'a pas besoin d'exécution. Les potes gars des prisons qui ont été exécutés. Nous sommes en matière de liberté individuelle. Tout est urgent. Et si vous pressez, débissez votre arrêté. On parle pas de notre formalité, on dit non. C'est une question de légalité de l'arrestation. Nous-mêmes, comme avocat, on a dénoncé ça. Faut être sérieux. Parce que la situation est critique en Haïti. Surtout en matière de liberté individuelle. Oui. Parce que, écoutez, même le ministre a dit que le dossier est défini au cadre d'instruction. Non seulement ils ont porté la tête au droit à un procès équitable, on s'accepte. Commissaire Bavini, non, il a handicapé la BASCOP. Ça, c'est une violation. Oui, mais gros exception, il faut nous soulever, maître Rémi. Et il y a un précédent déjà sur question ça dans les affaires de Prosper Avril et ou capable rappeler. Et les capables ont arrestation collective et mandat collectif, libération qui peut être collective, mais sinon, moment groupe moun yo dans prison, il y a des plaintes qui viennent porter contre quelques moun. Nan moun ki en détention, yo capable libérer yo et puis devant barrière prison yo réarrêté yo encore. Bon, d'accord. Oui. Le ça, après la décision du là, la 17 personnes seront libérées s'ils ne sont retenus pour contre-course. Tout à fait, très bien. D'accord. Merci d'accord. Un peu le chamètre. Bonne journée, maître Rémi. Bon travail. Et maître Rémi, question ça répond les auditeurs yo. Qui ça pral passé qu'on y a là? Si nous allons avec ordonnance là, libération et pour mettre da Brésil, et puis nous arrivons, yo banon non recevable, yo dit nous, cause greffière qui impliqué en. Greffier. On greffier, oui. Garçon? Greffier qui impliqué là-dedans, l'ité joué une révocation avant décision. Qui ça n'a pas fait qu'on y a comme avocat? Donc écoutez, moi-même, tout c'est avocat, à NAG. Association nationale des greffiers haïtiens, nous étions pas déposer, nous allons être en action auprès de la Cour des comptes, parce que nous estimons que la révocation est arbitraire. Parce que, écoutez, c'est le doyen qui a désigné le juge et le greffier. Et écoutez, on va dire bien simple. Bon,
être demandé à juge de paix de constater que. Il y a l'autre fois encore l'exécutif là, monté sur la justice pour le coup. La justice continue à s'appliquer. Arrestation et aux yeux. Si tu dois être pour que tu te dis, non, nul ne peut profiter de ses pensées ou faire wow. Assumez-vous, mais écoutez-nous, même pour la loi va possibilité tout. Écoutez, nous vivons avec cette ordonnance et nous croyons ça. Pas bien que, bon, l'appel est un rejugé. Elle dit, appelle la presse jusqu'à son ordonnance et vous pourrez, si, et voyez, Mme Guézanoséus, dépêcher les civils. Et nous-mêmes, nous étions confiants que, puisqu'il s'agit d'une question d'une liberté individuelle, les juges de la Cour d'appel continuent à faire droit à nos demandes et nous-mêmes, comme avocats, nous pouvons être pas ici à que Badal a pas pris de là. Déjà depuis que nous commençons à rédiger à d'après nous, et nous-mêmes n'avons fait ce que doit. Et nous n'avons même besoin, nous n'avons pas besoin de prendre intimidation, déclaration de mission, la bataille va continuer et fonctionner de l'immigration. Merci un peu, Charles. Nous sommes sur route pour nous déboucher sur ça, où les scandales judiciaires, dans quatre dossiers, ça. Vous n'avez pas besoin de lunettes dans les yeux. Pour route n'a prend là, il va la gagne direct devant ça relé un scandale judiciaire. Malheureusement pour la justice haïtienne, la justice qui ne vit pas de scandale, elle en meurt. Est-ce que n'a tout enterré? Est-ce que n'a tout fait réforme judiciaire yo? Est-ce que n'a tout dit ça pour dire, ça pour fait yo? Parce que institution yo en voie de disparition finalement. D'accord, nous joignons donc, plusieurs avocats là, Bob, qui disent question. Que, oui, qui dit une lettre nomination effective à partir date mouna recevoir là. Voilà.